Et bonjour à tous, c'est Gastran3. On se retrouve aujourd'hui mi-mai pour une nouvelle vidéo après ces deux longs mois de confinement. J'espère que vous allez tous bien, que ça n'a pas été trop difficile pour vous à supporter, que vous avez pu reprendre le travail ou l'école et que tout votre entourage va bien. Aujourd'hui, on se dirige vers un petit coin de ma région où je vais pas souvent. On va sur le bassin d'Arcachon. On va du côté du Pilat. On va aller à Pilat, Biscarrosse et le tour du lac de Biscarrosse en Guinée. Allez, je vous souhaite un très bon visionnage et à tout de suite. Forcément, après le confinement, on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée d'aller sur le bassin d'Arcachon. Allez, on attaque les petites routes du Pilat. Nous y sommes. Après une petite heure de route. Bon alors aujourd'hui, il faut pas s'attendre à avoir beaucoup de virages au programme. Parce que là on commence à être dans les routes sud Gironde Landes, début des Landes on va dire. Ouais. On voit le bassin d'Arcachon. Je pense qu'il y a du monde au bout là. L'architecture des maisons est assez sympathique par ici. Allez, après cette petite pause, on continue notre balade. Ouh, les nouvelles méharies. Enfin, nouvelles. C'est un petit moment qu'elles sont sorties. On se dirige vers un endroit qu'on appelle la corniche. Au Pilat-sur-Mer. On a vraiment un temps agréable là. C'est magnifique. Thank you.
Va-t-on apercevoir la dune du Pilat? Normalement, ouais. Ah ouais, on la voit vite fait là. La dune du Pilat. Ça fait de belles choses la nature quand même. C'est magnifique. Ah, un grand virage. Une belle courbe. Ah, on arrive à Biscay là. Et nous voilà sur la route des lacs entre Biscarros, on va dire océan, et Biscarros lac. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça. On va l'appeler comme ça. Allez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On a fait un petit tour du bassin, voilà, pour vous faire découvrir un petit peu la région bordelaise, enfin, surtout sur le bassin d'Arcachon. A très bientôt dans de prochaines vidéos. Maintenant qu'on a passé l'étape du confinement et que le virus est en train de partir, enfin on l'espère. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Nuclear energy.